un retour musical très attendu. Le 2 juin prochain, Louis Bertignac revient sur le devant de la scène avec son nouvel album intitulé Le film de ma vie. Un disque très personnel, composé de 11 titres, dans lequel l'ancien guitariste du groupe Téléphone a décidé de se raconter à travers des moments qui ont marqué sa vie. En pleine promotion, l'artiste de 69 ans s'est livré à cœur ouvert dans les colonnes du Télé-Loisirs, en kiosque ce lundi 15 mai. Au cours de cette interview, Louis Bertignac s'est confié sur le temps qui passe. Lorsque nos confrères lui ont demandé si la mort lui faisait peur, l'interprète du titre Ces idées-là n'a pu cacher son appréhension. Bien sûr, même si je n'ai jamais trop pensé à l'avenir, a-t-il avoué. Avant d'ajouter, peut-être que tout se passera bien. Je mourrai dans mon sommeil, bien accompagné de mes proches. Par-dessus tout, l'ancien coach de The Voice se redoute la douleur de ses proches lors de son décès. Mais ça m'emmerderait de voir mes enfants tristes. Ce sont les vivants qui souffrent. Louis Bertignac est un père comblé de 3 enfants. Le complice de Jean-Louis Aubert a eu 2 filles, Lola, née en 2004, et Lily, née en 2007, avec l'actrice Julie Delafosse. Quelque temps après leur séparation, Louis Bertignac a retrouvé l'amour dans les bras de Laetitia Brichet. Le couple a accueilli leur petit garçon Jack, le 19 novembre 2016. Une famille recomposée dont le bonheur compte plus que tout aux yeux de Louis Bertignac. Supérieur à Julien Clerc, Louis Bertignac. Ils sont devenus papa après 60 ans. Ce Louis Bertignac ne pensait pas atteindre la soixantaine alors qu'il soufflera sa 70e bougie. Le 23 février 2024, Louis Bertignac ne pensait pas arriver à la soixantaine. Je croyais ne pas être viable, a-t-il avoué en riant à nos confrères de Télé-Loisirs. Et d'ajouter, comme si c'était trop beau et que tout allait s'arrêter. J'ai toujours eu l'impression que je pourrais mourir demain. En regardant le rétro, l'ex-compagnon de Carla Bruni se montre reconnaissant pour tout ce qu'il a pu vivre au cours de sa carrière. Je saluerai ce petit mec de 19 ans, pour la pochette de son album, il a décidé d'utiliser une photo de lui jeune homme, note de la rédaction, et le remercierait d'avoir abandonné les études pour tenter le coup dans la musique, a confié Louis Bertignac avec une certaine gratitude. Crédit photo, Koadik Guirec, Rachid Belak Best Images.